Bonsoir, vous êtes là. Bienvenue chez moi dans la cuisine. C'est le moment des récoltes. Je sais, la fin d'été est en train d'approcher à grands pas. J'ai décidé aujourd'hui de commencer à préparer un peu le terrain pour l'hiver. C'est le moment où tout rentre au marché. Jean Talon était plein aujourd'hui. Plein de monde qui prévoyait faire des conserves pour l'hiver. C'est une journée pluvieuse de dimanche. Une occasion pour boire un petit Chianti. Puis faire chapeau à tous ces vignerons qui sortent faire les vendanges. Le moment a déjà commencé dans les terroirs plus chauds comme la Corse. Un merci spécial à Antoine-Marie Arena. Et aujourd'hui, on va boire du vin Chianti, déclassé de Colombaya. Longue histoire viticole pour cette maison qui ont décidé d'en faire qu'à leur tête et sortir de l'appellation il y a 2 ou 3 ans. C'est du vin qui nous aide à donner des forces. Après une semaine de travail où on doit un peu faire du pesto, faire une grosse batch de sauce tomate, que j'ai appelé le tomatio comme vous voyez. C'est le moment où on est tous rassemblés autour de la table. Après avoir fait une longue journée de production, on a équeuté des pois. Peut-être qu'on était en train de faire du basilic. Et dans ce cas-là, vous avez plein de pesto pour l'hiver. Vous riez de vos voisins qui dépensent 7,99 pour un petit pot de rien du tout. Si tu t'humains, vas-y fort, fais ça à la hauteur de ce que tu peux faire et bois du bon vin en ce moment. Chianti, mon premier amour viticole, pour tous les producteurs en Toscane, on est là, c'est notre guerre aussi.